The theme for this campery is Pathfinders in Mission. What a wonderful theme. But you know, we are good at coming up with themes, slogans. Mm-hmm. It's good, but it's not enough. And I pray that our young people can be Pathfinders in Mission, as the theme says. Because we believe in youth ministries that unless we equip our young people to be involved in the mission of the church, they will disappear into the world. We need to give young people a cause to live and die for. Because if we don't give them anything to do, the world will give them. So that's what I expect from our young people. God loves you. We are a diverse church. We are in over 200 countries. But there's one thing that unites us, and that is we are looking forward to the second coming of Jesus. It's in our name, Seventh-day Adventist. While waiting for Jesus to come, we are keeping the Sabbath holy. So I'm saying to the union, continue to be faithful Adventists, adhering to the principles that are in the Bible. And in youth ministries, adhere to the principles that you learn from the Pathfinder Club, Adventure Club, Ambassador Club, Young Adults, and everything. God will be with you. God is faithful. Let him keep you united and ready to meet him when he comes back again. Thank you a lot, sir. And God bless. Bless you. Thank you may so God much. Bless you. May God bless you. Yeah. That woman, that mother and her daughter came to church after a few years of not coming to church. Bonjour à tous, Pierre Morel-Fleurentin de la Guyane française. Je suis le secrétaire exécutif de cette mission et je fais aussi office de directeur de jeunesse. Alors nous avons pour cette grande rencontre, ce camporé de la division interaméricaine, une délégation de 46 éclaireurs et cadres. En effet, le camporé, c'est un grand rassemblement que j'estime essentiel pour les jeunes. Déjà, ça leur permet de voir l'ampleur de ce mouvement auquel ils font partie, qui est l'adventisme. Et ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils partagent l'amour du club. Il y a d'autres jeunes dans l'Interamérique qui ont cette même passion qu'eux. Flash spécial Camporé. Nos éclaireurs ont fait forte impression ce jour. Grâce à leur détermination, Fagu remporte pour la première fois de son histoire la finale de football. Et arrive en deuxième position pour le concours des parades. Ça leur permet de faire des échanges linguistiques, de découvrir de nouveaux amis, mais aussi la vie en communauté, l'esprit de partage, l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide. Et c'est là vraiment qu'on peut vraiment parler de cohésion sociale, parce que les jeunes ne sont pas tous issus du même niveau social, mais dans le coucher, sous la tente, eh bien tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de classe sociale sous la tente. Et ça leur permet aussi
de découvrir la parole de Dieu autrement et aussi la discipline parce que le réveil, c'est à 5h30. Ils se réveillent, ils se douchent, ils sont prêts à 6h pour la dévotion. Ensuite, aller au stade pour cette période de méditation, de prière ensemble. Et la manière dont les thèmes sont développés, ça leur permet de voir la Bible sous une autre perspective. Et je pense que ça leur fait vraiment un bien fou. Et aussi, même au niveau de notre union, mais ça leur permet de faire connaissance, de se rencontrer parce que notre union est assez... Les champs sont assez éloignés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous sommes jusqu'en Amérique du Sud, nous sommes même pas dans la Caraïbe. Et lorsqu'ils sont ensemble ici, eh bien, ils voient vraiment c'est quoi l'union des Antilles et Guyane françaises, des jeunes de Guadeloupe, de Martinique, de leur âge, qui ont la même vision, qui ont ce même amour pour Jésus. Et c'est là qu'ils ont vraiment cet esprit d'unité, d'union. L'IAGF devient réel pour eux dans ces moments-là. Eh bien... Là, on est sur l'espace de vie, enfin plus exactement la cuisine. Et on est sur la cuisine de Martinique. Ici, c'est la cuisine de Martinique, donc on voit toutes les denrées. Non, ici, on est pardon, sur la cuisine de Guyane. Guyane et Guadeloupe et Martinique qui ont mutualisé leur cuisine. Alors là, on va aller voir le chef. On va lui demander ce qu'il nous prépare. Là, je fais faire des boulettes végétariennes qui seront servies avec des denrées. Cuit, non pas dans l'haricot rouge, mais dans de l'eau. Et un haricot rouge. Ah ouais, un vrai repas pour les petits éclaireurs. Il faut leur donner des forces parce que les petits guerriers en ont besoin. Exactement. Donc on a un chef cuisinier qui nous a fait un repas digne des Antilles et Guyane françaises. Exactement. Ça se passe